Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous montrer comment enlever une tache d'encre sur un vêtement qui ne part pas au lavage, donc naturellement une tache d'encre de stylo plume ou de stylo à bic. Donc pour ceci, vous aurez besoin de dentifrice, d'une brosse à dents à poil souple et enfin d'un petit peu d'eau. Donc on va commencer par mettre du dentifrice sur la brosse à dents. Une petite noisette suffira, comme ceci. Ça dépend de l'ampleur de votre tache, la taille qu'elle prend sur le vêtement. On va un petit peu l'humidifier avec notre petit bocal d'eau et on va aller frotter la tache, comme ceci. Bien sûr, il faut que la brosse à dents soit à poil souple. Et il ne faut pas du tout frotter fort pour pas que le vêtement décolore. Juste un tout petit peu. Voilà, on peut faire des sens à l'horizontale comme je fais. Ou à la verticale. On va ensuite prendre la tache qui est donc recouverte de dentifrice et on va venir la tremper dans l'eau. Donc on peut la tendre comme ceci, la mettre en point et la tremper dans l'eau. Comme ceci, donc on peut continuer à frotter avec notre brosse à dents, mais dans l'eau. Donc, voilà, pour enlever le dentifrice. Ça donne quelque chose comme ça. Donc c'est assez... ce n'est pas très propre, effectivement, mais ça va le devenir. Après l'avoir bien trempé dans l'eau et frotté doucement avec la brosse à dents, on remarque que la tache a totalement disparu. Donc la technique du dentifrice, c'est vraiment la meilleure pour enlever les taches d'encre. Moi, je le fais depuis longtemps et ça marche tout le temps. Si il reste encore un petit peu d'encre, vous pouvez le remettre à laver et cette tache disparaîtra. Voilà, j'espère que vous avez apprécié ma vidéo et je vous dis à une prochaine. Salut !